Mesdames, Messieurs, il est 20h passé de 34 minutes sur le pendule de la station transfrontalière. Qu'est-ce que ça ferme? La radio qui fait votre fierté et sa priorité pour une fidélité en toute liberté. Mika Sall assure les commandes techniques à la présentation de ce 20h30, Mohamed Laboudjabi. Voici le sommaire. Depuis quelques jours, Maître Sidiki Kaba fait le tour des casernes avec des clés d'appartements à Thiès. 24 logements de mariés ont été rénovés. Le Sénégal perd entre 3 et 5% de son produit intérieur brut à cause des accidents de la route. C'est du moins l'intrigante révélation faite ce samedi par l'experte en sécurité routière de la direction des routes au Sénégal, Nathalie Etchevassa. Des universitaires proches et anciens collaborateurs de Mamadou Dia ont procédé aujourd'hui au lancement d'une fondation portant le nom de l'ancien président du conseil du gouvernement sénégalais de 1957 à 1962 en vue de perpétuer son œuvre. Hors de nos frontières, nous irons en Mauritanie où le nombre des malades, selon le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, le nombre de malades du cancer a atteint 1452 cas, dont 54% des femmes. Un sommet de la CEDEAO s'ouvre ce dimanche à Accra. Il s'agira pour l'instance sous-régionale d'apprécier les sanctions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Soudan, l'ONU exige une enquête indépendante sur les meurtres commis dans le cadre des manifestations jeudi passé qui ont fait 9 morts. Le développement dans quelques instants après ceci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le marché hebdomadaire de Medina Ndiadbé a refusé du monde. Ils étaient venus de partout pour faire leur dernier achat. Au Daral, on ne peut pas se frayer un chemin à cause de l'effectif des moutons, mais le seul hic est que le prix des moutons était très élevé pour certains. Écoutons quelques-uns que nous avons rencontrés ce matin. Il y a beaucoup de moutons ici, à Medina Ndiabé, mais les prix sont extrêmement chers quand même. C'est difficile de voir un mouton de 50 000. Pour avoir un mouton, il faut avoir au minimum 70 000. 70 000 voire 100, les prix varient de 70 000 à 200, 250 000. Ah, donc c'est ça quoi. Donc c'est difficile d'avoir un mouton à des prix abordables, quoi, 50, 60 000. Mais vraiment, ils sont chers. Alhamdulillah, cette année-ci, on n'a pas vraiment remarqué des cas de vol ici. Et nous voyons fréquemment les gendarmes faire la patrouille ici quoi. Voilà, actuellement le marché est très tendu. Ce matin j'étais au marché, mais je vois que les prix donc des moutons est trop cher. C'est trop cher malgré l'État a subventionné le prix comment dire encore l'aliment du bétail, mais c'est trop cher quand même. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est trop cher. Voilà, cette année, contrairement aux autres, je peux dire que la sécurité est là. Parce qu'à chaque fois, les gendarmes font de la ronde, ce qui permet à ceux qui viennent donc acheter les moutons donc d'avoir l'esprit tranquille. Ça va nous éviter les agressions, contrairement aux autres années. Vraiment, il y a de la sécurité. Voilà. Voilà, toujours au chapitre de cette célébration de la Tabaski, alors qu'il ne reste donc plus moins d'une semaine avant la fête, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Salé Diop, révèle que le Sénégal a enregistré un excédent de 15 000 moutons, se comparé à l'année dernière. Je vous le disais dans les titres, depuis quelques jours, Maître Sidiki Kaba fait le tour des casernes avec des clés d'appartements. À Thiès, 24 logements de mariés ont été rénovés pour 8 officiers et 16 sous-officiers et des terrains attribués à 18 militaires blessés en opération intérieure par la direction de l'action sociale des armées.
D'après le quotidien qui donne l'information dans sa livraison de ce samedi, la cérémonie de remise a été présidée hier par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, à la base militaire de Thiès. Ce programme de construction de logements et de réhabilitation des camps des Maliens permet au commandement de relever le niveau de disponibilité opérationnelle des forces de défense. Le Sénégal perd entre 3 et 5% de son produit intérieur brut à cause des accidents de la route. C'est du moins l'intrigante révélation faite ce samedi par l'experte en sécurité routière de la direction des routes au Sénégal, Nathalie Chiavassa. Les accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût des traitements et des pertes de productivité pour ceux qui en meurent ou restent handicapés à la suite des blessures, ainsi que pour les membres des familles qui doivent interrompre le travail ou leur scolarité pour s'occuper des blessés. Les accidents de la route coûtent à la plupart des pays à 3% de leur produit intérieur brut, a-t-elle expliqué à l'occasion d'un atelier d'échange avec les journalistes sur la sécurité routière. Des universitaires, proches et anciens collaborateurs de Mamadou Dia ont procédé aujourd'hui au lancement d'une fondation portant le nom de l'ancien président du Conseil du gouvernement sénégalais de 1957 à 1962 en vue de perpétuer son œuvre. Dénommée Fondation Mamadou Dia pour l'économie humaine, la nouvelle structure a été mise sur pied au cours d'une assemblée générale constitutive tenue à Dakar. L'universitaire et socio-anthropologue français Roland Collin, ancien directeur de cabinet de Mamadou Dia, a été porté à sa présidence. Moustapha Niass, président de l'Assemblée nationale du Sénégal sortant, est également ancien collaborateur de Mamadou Dia, en assure la vice-présidence. Selon Moustapha Niass, la mise sur pied de cette fondation pour l'économie humaine constitue un acte de nature humaine pour perpétuer le legs d'une personnalité multidimensionnelle. Fatou Samb, petite-fille de Mamadou Dia, s'est félicité de cette initiative au nom de la famille de l'ancien président du Conseil du gouvernement sénégalais. La fondation Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil, mais aussi sa vision économique, a-t-elle déclaré. Instituteur de formation, Mamadou Dia a été secrétaire général du Bloc démocratique sénégalais, ancêtre de l'actuel Parti socialiste, pendant 13 ans. En décembre 1962, en raison de profondes divergences, l'opposant au président Léopold Sédar Senghor, qui l'accusait de fomenter un coup d'État, il est arrêté et condamné à la perpétuité en 1963, gracié en mars 1974, puis libéré. Il est amnistié en avril 1976, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Mamadou Dia est décédé le 25 janvier 2009. La gendarmerie s'est saisie du dossier du saccage d'une des salles de classe du lycée Ousmane Sombène de Yoff par des élèves du dit établissement. Pour rappel, donc les images sont scandaleuses. Pour rappel, des élèves du lycée Ousmane Sombène de Yoff ont bouclé leur année scolaire en saccageant leur salle de classe. Un des élèves présumé auteur de ces faits est entre les mains des gendarmes. D'autres sont donc d'être cherchés. Le Sénégal a enregistré 13 nouveaux cas de COVID-19 détectés à partir de 846 tests virologiques effectués par les services compétents à Toapi ce samedi du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les nouveaux cas de coronavirus enregistrés sont tous des infections dont on ignore l'origine de la transmission, précise le dernier bulletin épidémiologique consacré à l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. 12 de ces 13 nouveaux cas de COVID-19 ont été tous détectés dans la région de Dakar, un seul ayant été enregistré dans celle de Thiès, selon ce bulletin. De même, le ministère de la Santé précise qu'aucun cas grave n'a été enregistré au cours des 24 heures précédant la publication de ce bulletin, ni de nouveaux décès. À ce jour, 86 348 cas de COVID-19 au total ont été déclarés positifs au Sénégal depuis l'apparition de la maladie sur son territoire le 2 mars 2020. Parmi ces patients, 84 348 ont recouvré la santé et 1968 sont morts de cette maladie. Il en résulte que 31 personnes sont encore sous traitement, alors que 1 490 031 personnes ont été vaccinées, selon le ministère de la Santé. Et pour clore cette page nationale MICA, page nécrologique, Madiana Diouf
est décédé hier. L'ancien maire de Kaolack, Madina Diou, est donc décédé des suites d'un malaise. Le défunt fut membre fondateur de l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès. Il a été aussi ministre de l'Équipement et des Transports du Sénégal dans le gouvernement dirigé par le Premier ministre Moustapha Niass à la suite de l'alternance intervenue au Sénégal le 19 mars 2000. Par ma voix, Radio Cascas présente ses condoléances les plus adressées à la famille éplorée. La page internationale tout de suite. L'actualité internationale. Actualité internationale dans ce studio, je suis avec Demba Dien. Bonsoir Demba. Bonsoir Djabi. Alors nous débutons par la Mauritanie où le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, s'est prononcé sur le nombre de cas de cancer enregistrés en Mauritanie. Tout à fait, le nombre de malades de cancer enregistrés en Mauritanie a atteint 1452 cas, dont 54% des femmes. C'est ce qu'a indiqué vendredi le 1er juillet le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'hôpital Ishtar. Les enquêtes ont démontré que 90% parmi les malades du cancer ne possèdent pas d'assurance maladie et s'exposent à la cherté du traitement de ce type de pathologie, a indiqué le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a appelé à l'intensification des efforts de sensibilisation contre le cancer et ses causes, surtout en insistant sur la détection précoce pour un traitement plus léger et une guérison plus sûre. Cet hôpital est construit à l'initiative de l'ONG de bienfaisance ISAR pour la prise en charge des malades du cancer. Son président, Salem Woul Abdallah, a déclaré que l'objectif de ce futur hôpital est d'appuyer les efforts de l'État et de la société dans la lutte contre le cancer ainsi que d'élever le niveau de capacité des services médicaux liés au traitement des personnes atteintes. Demain, un sommet va s'ouvrir à Accra, dans la capitale ghanéenne. Un sommet qui va se prononcer sur ces trois pays frappés par des sanctions que sont la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Tout à fait. L'organisation ouest-africaine avait remis à ce 3 juillet les décisions liées aux sanctions à lever ou à prendre pour le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Les trois pays ont redoublé d'efforts ces dernières semaines pour prouver leur bonne volonté. Les chefs d'État de l'organisation régionale se réunissent à Accra le 3 juillet pour la Guinée, le Burkina Faso et le Mali. Le sommet de la CEDEAO qui s'ouvre ce dimanche à Accra est décisif. Les deux premières cités sont en effet sous la menace d'éventuelles sanctions économiques. La transition de 3 années qu'il propose avant le retour de l'ordre constitutionnel étant jugée bien trop longue par les chefs d'État de la sous-région. Pour le Mali, c'est tout l'inverse. Bamako espère que les sanctions économiques et financières qui le frappent depuis le 9 janvier dernier seront enfin levées. Bénin, Sébastien Ajavon, homme d'affaires, ancien candidat à la présidentielle 2006, se voit à tous ses biens être saisis par la justice. C'est la justice qui a procédé ce vendredi 1er juillet à la saisie des biens de Sébastien Ajavon dans sa résidence de Cotonou. L'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2016 a été condamné à 5 ans de prison et une amende de près de 160 millions de francs CFA pour une fraude à la TVA. La Sierra Leone a pris ses mesures par rapport donc à la situation actuelle que vivent ses peuples, la crise donc qui fait que le président donc a fait sortir de nouveaux billets. Tout à fait, le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, a lancé vendredi à Freetown les nouvelles pièces de monnaie et billets de banque qui perdent 3-0 par rapport aux anciens, en vue de rétablir la confiance dans un contexte d'importante inflation. Le coût des biens et services reste inchangé avec l'introduction de cette mesure, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué. Un billet de 10 nouveaux léons a une valeur identique et celui d'un billet de 10 000 anciens léons équivalent un peu moins d'un dollar américain, 0,75 $. Soudan, l'ONU entre dans la danse pour exiger à ce qu'une enquête soit faite à la suite donc des manifestations qui ont fait couler du sang.
L'ONU qui exige une enquête indépendante sur les meurtres commis dans le cadre des manifestations de jeudi qui ont fait 9 morts selon le dernier bilan. La plupart des victimes ont été touchées par balles, ce qui a provoqué une volée de condamnation dans la communauté internationale. Et malgré cela, les cortèges ont à nouveau défié ce vendredi à travers le pays pour demander le départ des militaires qui ont pris de plein pouvoir il y a 8 mois. Et Dembagé, nous allons terminer par la Libye où la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique ont fait sortir la population. Effectivement, des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs villes pour dénoncer la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique. À Tobrouk, à l'est du pays, des manifestants ont investi le siège du Parlement et y ont mis le feu. Un signe de colère à l'égard des deux gouvernements rivaux qui ont rendu la vie insupportable, selon les témoins. Cette mobilisation intervient alors que la Libye est en proie depuis plusieurs jours à des coupures de courant qui aggravent la situation d'Abi. Et c'est tout pour l'actualité internationale. Tout de suite, c'est le sport. Demba, merci beaucoup. Alors, Adama Kébé n'est pas là ce soir, mais je vais essayer quand même vraiment de vous donner quelques informations sportives. Et nous allons commencer par donc le rugby d'Abadien, donc le Sénégal, qui a été battu aujourd'hui en quart de l'Africa Cup contre l'Algérie. Donc, les Sénégalais ne seront pas au Mondial 2023 de rugby. Et nous allons parler donc du Ballon d'Or africain avec ces nouvelles qui ont fuité donc des informations qui donnent Sadio Mané comme étant le nouveau Ballon d'Or africain suivi de Mohamed Salah. Refoulé de l'Égypte après une rétention administrative à l'Alexandrie, le supporter sénégalais Paco du 12e Gaïndé a atterri à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar hier soir. C'est le concerné en personne qui a donné l'information. Donc, Paco Sénégalais a fait savoir que son avion a foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne ce vendredi soir aux alentours de 18h. C'est à bord de la compagnie Turkish Airlines qu'il a débarqué au Sénégal et qu'il avait quitté mercredi pour se rendre à Alexandrie en Égypte où il devait soutenir les Lions du basket dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Refoulé par l'Égypte sous escorte policière, Paco ne pourra pas pas poursuivre sa mission habituelle qui était de pousser les sélections nationales du Sénégal. Pourtant, il a bénéficié de tout l'accompagnement administratif nécessaire dans les démarches pour l'obtention d'un visa avant de quitter le Sénégal. Informe donc dans la journée la Fédération sénégalaise de basket. Peut-être c'est la suite de cette rencontre Sénégal-Égypte à Dakar. Une autre actualité sportive concernant donc avec ce jour de basket sénégalais, une terrible nouvelle pour l'équipe de l'Olympique Club de Youssoufia Basketball. Un de leurs joueurs, le Sénégalais Ibrahima Faye, est décédé hier dans un accident de la route survenu à Casablanca. Une information annoncée par le club marocain évoluant en première division nationale homme. C'est tout pour cette page sportive. Et nous allons passer à la revue donc de vos quotidiens, des quotidiens parus au sud de l'APS qui traitent de divers sujets allant de la situation économique du Sénégal au bilan Dakar 2022 en passant par les préparatifs de la Tabaski, la grande fête musulmane également appelée Aïd El-Kébir. Selon l'observateur, de grosses menaces pèsent sur l'économie sénégalaise. Malgré des perspectives assez optimistes avec un budget projeté à plus de 6 000 milliards pour 2023, l'économie sénégalaise n'est pas à l'abri de risques macroéconomiques internes et externes, a écrit le journal. Il note que l'inflation pourrait dépasser la barre de 3% en fin 2022, sans compter d'autres difficultés liées à la baisse de la production agricole et au retard dans la production de gaz et de pétrole. Le potentiel du Sénégal reste malgré tout énorme, juge le directeur d'Afrique du Fonds monétaire international FMI Abebe Aimoro Selassie dans des propos rapportés par le quotidien du Sénégal. M. Selassie, qui séjourne actuellement au Sénégal, cite le dynamisme de la jeunesse parmi les atouts du Sénégal, un potentiel qui convient de libérer grâce
à une bonne gestion macroéconomique. Avec les sujets portant sur l'économie, les préparatifs de la Tabaski, la grande fête musulmane prévue dans environ une semaine, sont aussi au menu des journaux. Il n'a pas échappé aux journaux que cette fête s'inscrit dans un contexte économique et social national et international considéré comme difficile. Sud Quotidien évoque une incertitude chez les tailleurs qui craignent de ne pouvoir honorer leurs commandes en raison de la recrudescence des coupures d'électricité. Pour le reste, écrit le même journal, une ambiance carnavalesque s'installe au niveau des marchés de Dakar, notamment celui des HLM. Des décibels, mégaphones et bruits de tout genre retentissent de tous les côtés pour les commerçants. Tous les moyens sont bons pour attirer le plus de clients. Le quotidien dépoussière pour sa part la législation du travail annonce l'heure de la réforme de ce texte, la survenue du Covid-19 ayant changé les règles du monde du travail. Le télétravail a été imposé, le chômage technique avec le versement de 70% du salaire a été improvisé. Toutes choses qui font que le code du travail actuel datant de 1997 ne correspond plus aux exigences de compétitivité des entreprises et de l'environnement des affaires, décrète ce journal. Enquête ne s'embrasse pas de mots au moment de parler du bilan de l'édition 2022 de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, du 19 mai au 21 juin, échec total. Avec deux budgets cumulés, le secrétaire général de Dakar n'a pas pu faire mieux que les éditions précédentes, ce qui fait que bon nombre d'acteurs culturels, d'amoureux des arts, etc., parle d'un énorme flop. Rapporte enquête attaquée de tous bords, la SG, la secrétaire générale du Dakar, Mariam Ba, se défend et dit entendre la disponibilité d'un bilan pour apporter la réplique aux interpellations concernant l'organisation de l'événement. Conclut enquête. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, à moins de 5 minutes de 21h, ce journal est à présent terminé. Avant de vous quitter, je vous rappelle donc les différents titres, les principaux titres qui ont été développés. Depuis quelques jours, Maître Sidiki Kaba fait le tour des casernes avec des clés d'appartement. À Thiès, où il était, 24 logements de mariés ont été rénovés. Le Sénégal perd entre 3 et 5% de son produit intérieur brut à cause des accidents de la route. C'est du moins l'intrigante révélation faite ce samedi par l'experte en sécurité routière de la direction des routes au Sénégal, Nathalie Chiavassa. Et par la même occasion, nous lançons un appel aux chauffeurs d'être prudents. Des universitaires proches et anciens collaborateurs de Mamadou Dia ont procédé ce samedi au lancement d'une fondation portant le nom de l'ancien président du conseil du gouvernement sénégalais de 1957 à 1962 en vue de perpétuer son œuvre. Hors nos frontières avec Dembadien, nous étions en Mauritanie où le nombre des malades du cancer a atteint 1452 cas, dont 54% des femmes. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, à l'occasion de la pose de la première pierre de l'hôpital Ittar. Un sommet de la CEDEAO s'ouvre ce dimanche à Accra. Il s'agira pour l'instance sous-régionale d'apprécier les sanctions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. L'ONU exige une enquête indépendante sur les meurtres commis dans le cadre des manifestations de ce jeudi qui ont fait 9 morts au Soudan. Merci à Mika Sarr qui a assuré les commandes techniques. Tout de suite, Dembadien sera là pour la version, pour la regarder, la prochaine écoute. On se donne rendez-vous, Inch'Allah Rabbi, à 23h pour votre émission Le Rendez-vous du Week-end. Et ce soir, on va fêter ensemble la Tabaski par anticipation. Merci.